sadist. Ne faisait-il pas la distinction entre foi et en substance, la foi est supérieure, absolue. Oui, car sans elle, le sacrifice du Christ n'a aucun sens. Il est mort pour nous racheter, n'est-ce pas? Du péché originel d'Adam et Ève. Mais le mal est toujours là. Oui, le mal est là, parce qu'il nous a offert le libre arbitre. Un nouveau-né tué par un despote, disposait-il du libre arbitre? Oui, non, je veux dire, c'est une vue simpliste. Ou le prêtre dont un loup arrache le cœur, et Judas, qui était prédestiné à trahir le Nazaréen. Ah, certains disent qu'on s'est servi de Judas. Dois-je en croire mes oreilles, frère Orgbert? Tu mets en doute les Écritures et déclares Judas innocent? C'est un blasphème grotesque. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Frère Cédric, ne suis-je pas le plus pieux de ses serviteurs? Ah, dehors! Tu te fais de nouveaux amis? La langue d'un homme offre un avant-goût de son cœur, Eivor, et ce genre d'information est souvent utile. Et quel est donc le goût de ces chrétiens blafards? Ce n'est qu'une façon de parler, Eivor, et je m'en suis déjà lassé. En ira-t-il de même entre nous? Bien sûr que non. Je te suis reconnaissant d'être venu. Qu'en est-il de cette chère Fulke? Ton message indiquait que tu l'avais suivie jusque dans le Kent. Elle est ici, quelque part. Et le mois dernier, Sigurd était avec elle. Mais rien ne garantit qu'il en sera toujours ainsi demain. Alors, que comptes-tu faire? Nous sommes une païenne et un hérétique au cœur des terres de leur dieu. Pour attraper Fulke, il nous faut un collet chrétien. Fulke est loin d'être une sainte. Ces chrétiens détestent les idées étranges comme les siennes. Oui. Mais contrairement à nous, elle peut se faire passer pour l'une d'eux. Or, avec un prisonnier, il ne doit pas être facile de se cacher. Alors, où commence-t-on? Je me suis fait un ami, l'abbé Kinebert, rempli d'une piété ardente, mais dont l'ambition dépasse de loin l'intelligence. Et que sait ton ami Kinebert? Viens, je vais te présenter, et nous écouterons ensemble toute l'histoire. As-tu trouvé un peu de paix durant cette période de solitude, Basim? Je suis toujours en paix, et je ne suis jamais seul. Je me déplace avec grand plaisir parmi les hommes. Je les observe, les étudie, et apprends d'eux en permanence. C'est notre devoir, la tâche de ceux qu'on ne voit pas. Tu sais, pour la première fois, tu parles davantage comme ton apprenti que comme toi-même. Aïtam doit parler comme moi, pas si mes leçons ont été retenues. Ton credo et tes préceptes, tu veux dire? Exactement. Et notre, comment dire, responsabilité et profond attachement à l'élévation du jeune. Une ambition de taille, mais qui n'explique pas ce que tu vois en Sigurd. Mon frère n'est pas très généreux. Certes, mais ton frère sort de l'ordinaire. Il est important. Et je veux qu'il s'en rende compte. J'espère y parvenir. What?
Ce lieu n'est-il pas béni? C'est le pays de Dieu, et l'entretien de cet Éden devrait être confié à ses serviteurs. Abbé Kinebert, la femme du Nord dont je t'ai parlé. Ah oui, et à l'allure redoutable qui plus est. Basim m'a dit que tu connaissais Fulke. En effet, Dame Fulke est passée par ici il y a moins d'un mois. Nous avons parlé et avons bu. C'est une femme fort aimable. Et où est-elle? Eivor sera ta hache, l'abbé. Qu'il s'agisse d'abattre un arbre ou de démembrer un ennemi. Qu'est-ce que tu lui as promis? Oh, une vétille, Eivor. Un petit tracas que tu devrais pouvoir m'aider à résoudre. Si tu sais où est Fulke, dis-le-moi. Et ensuite, nous parlerons de ton affaire. Elle déborde plus vite que le lait sur le feu, Basim. Cette Danoise au sang chaud fera-t-elle ce que je demande? Venons-en au fait. Quel service réclames-tu en échange de Fulke? Il y a quelques semaines, Dieu a rappelé à lui l'Elderman du Kent. Une terrible perte. Le roi Elfred a choisi son remplaçant, mais sans en faire connaître le nom. Et ce nom, je dois l'apprendre. Maintenant. Tout le Kent saura bientôt quel Thane il a choisi. Pourquoi cette hâte? Je désire avoir de l'avance. Pour obtenir ses faveurs avant que sa position ne soit connue et que tous se précipitent à ses pieds. Qui d'autre connaît son nom? L'émissaire du roi, dépêché avec une lettre de félicitations auprès du nouvel Elderman. Intercepte-le et apporte-moi cette nouvelle. Quand je connaîtrai le nom de ce Thane, nous parlerons du moyen de gagner ses faveurs. Pourquoi ne pas le tuer discrètement et briguer ce poste auprès d'Elfred? Impossible en tant qu'homme de Dieu. Et celui qui se tient derrière le trône est toujours mieux placé pour tirer les ficelles. Comment vais-je le trouver, cet émissaire? Le monastère de Tonbridge m'a annoncé que les hommes du roi passaient toujours quelques nuits dans ses murs. Commence par là. J'obtiendrai le nom de l'Elderman. Trouve Fulke. Chaque chose en son temps. Bon, si nous en avons terminé, je dois gagner la côte sud. Falkenstein a le meilleur poisson du Wessex. Alors je te retrouverai là-bas, quand je connaîtrai le nom de l'Elderman. Kinebert est ambitieux, mais il est bien informé. Tu ne trouveras pas Fulke sans lui. Nous verrons, j'imagine. Que vas-tu faire, toi? Je n'ai pas fini de jouer avec ces chrétiens. Je te retrouverai à Falkenstein. Ne cherche pas la
Sans l'amour de ça, la monde. Sors vers les femmes. Comme le dit Saint Augustin, ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais crois à toi. 4 siècles après Saint Augustin, il y a eu de nombreux progrès. Je dois passer inaperçu ici. Ah!
Il faut venir m'aider. Ah!
Pas d'autre hiver pour toi. C'est toujours mieux que d'affronter mes supérieurs. J'espère que le Magister Magnus me pardonnera. J'ai si longtemps cherché auprès de lui inspiration et ordre. Si l'honneur a quelque importance, un seigneur ne te pardonnera pas, c'est inconcevable. Ha ! Je me tourne désormais vers Woden, Tiver et Funor. Je continuerai à me tourner jusqu'à ce que j'obtienne un pardon. Tu t'enfonceras surtout en tournoyant dans un puits sans fond. Quelqu'un peut m'aider ? On ne partira pas les mains vides ! Gagnez le navire! L'autre côté doit être barricadé. Hey,